Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 de l'aventure de Barry sur Crusade Craft. Dans cet épisode, on va surtout voir ce qui a avancé à Barry. Je vous garde un peu de PVP de la brigade anti-chasseur de la Dynamap pour la fin. Avant et pendant la trêve, on a construit pas mal de machines. On a fini la machine à canne à sucre, ajouté une machine à citrouille, ajouté une machine à cactus, ajouté une machine à champignons, changé l'emplacement des spawners de façon à ce qu'ils soient plus proches du shop et... Le plus grand changement, on a créé un village géant avec des PNJ. Ils nous achètent des citrouilles et de la canne à sucre et ils nous revendent des carottes dorées et des melons dorés. Plus plusieurs livres sympas comme des raccommodages. Les PNJ sont réservés aux membres de la ville, mais si jamais vous souhaitez acheter des livres enchantés pour pas trop cher, il y en a plein au shop. On a également considérablement agrandi la zone résidentielle au sud de la ville et on a accueilli beaucoup de nouveaux membres qui pour certains nous ont fait de très jolies maisons. L'événement majeur de la trêve a été l'ouverture de l'End. Je sais pas comment les autres se sont débrouillés, mais nous on savait pas du tout où allait être le portail de l'End et quand. Bon, bref, on arrivait dans l'End avec une vingtaine de minutes de retard, le dragon était déjà mort et beaucoup de joueurs étaient déjà partis explorer l'End. Le PVP était activé donc je suis arrivé et très vite reparti. Puis revenu, et grâce à nos élytras, on a pu explorer très très vite, très très loin des forteresses. La plupart étaient déjà explorées, comme ils ont remis l'ancien End et mis une bordure du monde à 5000 blocs, des gens étaient déjà passés partout. J'ai quand même réussi à trouver une paire d'élytras et beaucoup, beaucoup de shulkers. Les blocs derrière moi, ouais, tu m'aides, hein? C'est lui qui a posé, oui. Oh, ça lag! GG. Bon, il est mort super vite, désolé, ça fait pas beaucoup de PVP. Dans le prochain épisode, la trêve sera finie, on va assiéger Venise d'abord. Ça devrait vous faire plus de PVP.